Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être venu à cette conférence que j'aurai le plaisir de modérer. Nous allons juste donner la parole à Dr Rassablga pour qu'il présente le contenu en trois quarts d'heure. Une heure, docteur. Il aura besoin d'une heure. Et ensuite, nous allons passer aux échanges. Voilà, bonne écoute et bonne participation. Je suis Mariamé Ouattara, économiste sociale et familiale, expert genre, et je collabore de temps en temps avec Free Afrique. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Ouattara. Bonjour à tous. Madame Ouattara a été formatrice dans le cadre de cette université de la jeunesse. Et je sais que les jeunes leaders qui sont là ont été absolument ravis de l'écouter, de l'entendre, d'échanger avec elle le lundi en long et en large sur la question genre et développement et sur les inégalités, et singulièrement sur les inégalités qui affectent les femmes dans notre pays, mais aussi dans le monde. Merci de nous donner du temps pour parler d'avenir dans notre pays, pour parler de repères pour l'avenir et pour parler singulièrement de trois grandes figures historiques, on va dire contemporaines, du Burkina Faso. Mais soyons clairs, la présente conférence n'est pas un propos d'historien, comme vous pouvez imaginer, parce que je n'ai pas fait d'études d'histoire, je n'ai pas de projet non plus d'en faire, ni d'ambition dans ce sens. Et je crois que je ne vous apprends rien en disant cela, parce que ceux qui nous font l'amitié de nous suivre depuis quelque temps savent que je suis de métier de formation économie chercheur, et ils savent également que bien souvent les travaux de Free Afrique ont une perspective historique, et que cette perspective historique est peut-être un des marqueurs de notre manière de faire la science économique à l'Institut Free Afrique. Nous tenons effectivement à l'Institut Free Afrique l'histoire pour formatrice d'esprit, pour reprendre le mot de Kizerbo, et pour reprendre le dicton populaire, faire l'histoire d'un problème, ça les résout à moitié. Donc, il est important que, quelles que soient les disciplines, les spécialisations disciplinaires que nous avons, il est important que, quels que soient les domaines dans lesquels nous sommes, nous ayons une perspective historique dans notre domaine. Ma conception de l'histoire emprunte à Fernand Braudel. Fernand Braudel, c'est un immense historien français. Les Français, avec leur cocorico, disent que c'est le plus grand historien de tous les temps. C'est vraiment un grand historien et qui a défini l'histoire comme l'homme dans le temps. Braudel dit l'histoire, c'est l'homme dans le temps. Donc, c'est l'homme dans le temps d'hier, l'homme dans le temps d'aujourd'hui et l'homme dans le temps de demain. De sorte que l'histoire a trois temps, y compris l'avenir, fait partie de l'histoire. Et bien sûr que cette conception de l'histoire, vous l'aurez compris, elle est également marquée par mon maître, Joseph Kizerbo, qui avait comme maître Fernand Braudel lui-même, qui a été son professeur. Et Kizerbo dit « le passé tremplin vers l'avenir ». En d'autres termes, pour avoir un point d'appui sûr, pour se projeter dans l'avenir, le meilleur point d'appui, c'est le passé, c'est l'histoire. Donc l'histoire comme, je vais le dire autrement, comme fabrique d'avenir. En d'autres termes, qui est intéressé à l'avenir est immanquablement intéressé à l'histoire pour deux raisons. Parce que l'avenir, c'est aussi de l'histoire. Et deuxièmement, parce que l'histoire contient des leçons pour ceux qui sont intéressés par l'avenir. Donc, est-ce à dire donc que j'oublie ma profession d'économiste? Non. Je veux dire un petit mot sur la relation que les économistes ont avec l'histoire. Malheureusement, ces récentes décennies, enfin depuis plusieurs décennies, la science économique a pris beaucoup de distance avec l'histoire, et cela a été au détriment de sa fécondité. Elle est devenue moins féconde. Et il est très heureux que depuis, on va dire, quelques petites décennies, notamment les économistes qui travaillent beaucoup sur les institutions, aient réinvesti l'histoire économique comme étant
un moyen de produire une connaissance économique plus féconde. Et il est singulièrement heureux de voir que la question des inégalités aujourd'hui est abordée avec une perspective historique très forte, y compris par un économiste comme Thomas Piketty, l'économiste français. La conférence repose donc sur une conviction que le passé est le tremplin vers l'avenir et que donc l'histoire a une importance capitale. En ce moment où le pays commémore les 60 ans de son indépendance, je pense que la réflexion sur l'histoire est importante et cette rétrospective peut nous aider pour envisager l'avenir. Et je veux évoquer ici le fait qu'à l'occasion de cette commémoration, on a souvent entendu des gens dire qu'on ne sait pas ce qu'on commémore. Finalement, nous sommes dans l'indépendance depuis 60 ans. Pourquoi est-ce que nous nous mettons à penser qu'on doit commémorer quoi que ce soit? Je comprends cela. Je sais qu'il y a beaucoup de déceptions liées au fait que sur les 6 dernières décennies, nous n'avons pas fait un bon usage de notre indépendance des années 60 et qu'en conséquence, cette insatisfaction rend certains aigres, en particulier la jeunesse, qui se radicalise en disant 60 ans d'indépendance, c'est du n'importe quoi, on n'a rien fait, on est encore dans une néocolonie, ainsi de suite. Je veux indiquer qu'il faut faire très attention avec cela parce qu'on peut manquer du respect en disant de tels propos, on peut manquer du respect à nos devanciers, y compris nos illustres pères, y compris ceux que, par ailleurs, nous célébrons. Dans la jeunesse qui dit ça, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui pense que Kwame Nkrumah ait failli dans la lutte pour l'indépendance. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui pense que les nationalistes africains des années 50 aient failli. Le fait que nous sommes dans une situation où, aujourd'hui, le développement est en panne sur notre continent, ne dit rien, n'est pas suffisant pour méconnaître, pour méjuger, pour sous-estimer la tâche héroïque qui a été celle de nos grands-parents, de nos ancêtres, dans la résistance contre le colonialisme. Et ce qui est là aujourd'hui, c'est notre propre tâche à nous. Ce sont nos défis. Donc ce n'est pas en disant que les autres n'ont rien fait qu'on pourra gagner nos défis. Bien au contraire. Le dicton dit... Si l'arbre veut grandir, qu'il honore ses racines. Si l'arbre veut grandir, si l'arbuste veut grandir, on pourrait dire plus précisément qu'il honore ses racines. Je vais commencer par des propos liminaires, préliminaires. Est-ce que vous pouvez arrêter de... Je ne sais pas qui c'est qui fait ça, mais ça perturbe beaucoup. Si vous parlez dans votre casque, nous on entend aussi ici. Désolé. Je vais commencer par un propos, la conférence va être en 3 temps, des propos liminaires et puis 2 autres temps que je vais indiquer tout à l'heure. Déjà, commençons par faire l'histoire. J'ai dit que faire l'histoire d'un problème, c'est le résoudre à moitié. Faisons l'histoire de cette conférence. Cela nous aidera à éclairer les visées et les ambitions de cette conférence. Pour cela, on a besoin de voyager. Et la bonne nouvelle, c'est que les aéroports sont rouverts, même si ce n'est pas encore comme ce qu'on avait connu avant la pandémie. Et vous savez très bien que Free Afrique est un institut de recherche extrêmement riche, qu'on a beaucoup d'argent et qu'on a des avions privés. Donc, on a un grand jumbo qui peut prendre 600 personnes. Donc, je vous invite à monter à bord de notre grand avion qui s'appelle Air Bobo-Dioulasso. Je l'expliquerai plus tard. Pour que nous allions dans 2 villes. Nous allons commencer par une ville africaine et puis vers la fin de la conférence, on reprendra le vol pour aller ailleurs. Commençons par la première, donc. Nous sommes à Ouida. Ouida, ville historique, au Bénin. C'est à 30 kilomètres de Cotonou. C'est en face de la mer. Et nous sommes en décembre 2006. Décembre 2006, nous sommes à Ouida. Et nous apprenons le 4 décembre, je crois bien, si je ne me trompe pas, que mon maître est mort, que le professeur Joseph Kizerbo est mort. J'espère que je ne me trompe pas de date, sinon ça serait grave. Qu'il est mort et qu'il faut lui rendre hommage parce que quand nous l'apprenons, je suis à IDE, à Ouida. IDE, c'est l'Institut de développement et d'échange endogène du professeur Honora Agassi. Et nous y étions donc pour une conférence. Je ne me souviens plus très bien du thème de conférence. Et Honora Agassi, l'immense sociologue intellectuel panafricaniste auprès de qui j'ai appris beaucoup, qui a été mon parrain, un de mes parrains intellectuels au Bénin, a
Après, l'information me dit qu'il a pris la décision qu'on va dire un hommage le lendemain, je ne sais plus exactement les dates, le lendemain, mais c'était en décembre, à Kizerbo, et qu'il a décidé que c'était moi qui allais dire l'hommage à mon maître, le professeur Kizerbo. Vous ne connaissez peut-être pas Agassi, il a près de 2 mètres. Ce n'est pas seulement une force de la nature, c'est aussi une force intellectuelle, c'est aussi une autorité naturelle, une autorité intellectuelle que moi je connais, que je respecte, que je salue. Donc, on ne peut pas dire non à Agassi, Honora, on ne sait même pas dire non, donc on ne peut que s'exécuter. Et du coup, je m'exécute, je file donc dans ma chambre, je quitte l'activité, c'est l'une des chambres qu'il y avait donc à Ouida, à l'institut où on nous hébergeait, et je vais commencer à écrire l'hommage à mon maître. Et je fais ce que je ne fais pas d'habitude à l'époque, j'écris un texte entier. En général, quand je fais une conférence, je n'écris pas d'abord un texte. Sur mon lit, j'ai tiré la table de la chambre, j'ai mis l'ordinateur sur le lit, j'ai commencé à écrire, j'étais à l'époque étudiant encore, et j'ai écrit un texte avec beaucoup d'émotion, quasiment d'un trait. Ça a été très long à écrire, mais ça a été très fluide. Et ce texte écrit d'un trait, je vous le jure, à un moment donné, je l'écrivais très vite et mes larmes coulaient. J'étais très ému, mais ce n'était pas une émotion de tristesse. Hein. Et à un moment donné, je chantais. Et je chantais en écrivant le texte. Le lendemain, donc, l'après-midi, on doit dire l'hommage. Je suis invité à faire l'hommage. Et je passe donc au podium et Honora Agassi m'annonce et me met la pression en disant que ça va être très bien, qu'ils vont voir comment ils vont être émerveillés, mais il ne sait rien de mon texte. Et je ne suis pas prêt pendant que je commence à parler. C'est comme actuellement, je ne suis pas encore prêt pour la conférence, mais je ne sais pas pourquoi ça a commencé, mais ça a commencé. Et je commence mon mot d'hommage et vers la fin, ce n'était pas prévu. Je ne sais pas pourquoi, je me mets à chanter. Et ce qui se passe, c'est que le public, mes amis béninois, sont tellement gentils avec moi qu'ils reprennent le refrain. Et ça se passe très bien, on est tous émus, ça se passe bien. Mais je ne vais pas le refaire ici. Vous connaissez ces amis qui vous assurent que même avec une voix de gourmache et denté, vous pouvez avoir les koundés, hein. C'est ces amis comme ça que j'avais qui disaient « Waouh, c'est génial », même si la voix était horrible. Tout cela pour dire que l'hommage que j'ai rendu à Kizerbo a inspiré cette conférence. C'est en gros une partie de ce propos qui a été écrit il y a 14 ans donc, qui alimente ma conférence actuelle et qui a inspiré l'idée de faire la conférence. Et cette conférence vise à éclairer l'avenir à partir de phares, les phares, à partir de figures historiques, à partir d'expériences d'hommes exceptionnels qui sont des recours pour nous par ces temps difficiles pour notre pays. Qui sont donc ces 3 grandes figures historiques dont je vais parler? Comme la semaine passée, j'ai fait mon petit sondage sur Facebook et j'ai vu que les discussions font rage et qu'il y a un qui s'appelle Honoré Yam qui pronostique il y a 3 jours qu'on va parler de Sankara. Est-ce que c'est votre pronostic? Qu'on va parler de Kizerbo, c'est votre pronostic? Et qu'on va parler de Wenzel Koulibaly, c'est votre pronostic? D'accord. Et il dit cela. Et puis hier, il y a un qui s'appelle Semi qui lui dit, Monsieur Honoré, où vous mettez Norvège en haut? Et moi, je n'ai pas de compte Facebook, sinon j'aurais bien voulu lui mettre un gros cœur pour dire je like l'affaire, j'adore du reste. Et j'aurais voulu aussi lui écrire pour dire, je suis d'accord avec vous, mais où vous vous mettez Wenzel Koulibaly? Si vous enlevez Wenzel pour mettre Norbert, où est-ce que vous mettez Wenzel Koulibaly? Donc c'est pour expliquer que le choix des 3 grandes figures est extrêmement difficile. Je dois donc quelques explications. Je vais beaucoup décevoir ma tantine. Ah oui. Je vous jure, je ne parlerai pas de femmes. Je ne parlerai pas de femme, sinon j'aurais parlé de Jacqueline Kizerbo, qui est cette immense femme de science, sociologue, qui a joué le rôle clé, que vous savez, dans l'insurrection du 3 janvier 1966. J'aurais pu simplement parler de ma mère, comme chacun d'entre nous aurait pu parler de sa mère, de ces braves femmes qui sont de véritables héroïnes de nos quotidiens.
comme j'ai décidé que ça ne sera pas une femme, je ne parlerai pas de Alimata Salambéré, qui est une femme formidable, femme de culture, qui a su fédérer, gérer les énergies et les talents nécessaires pour faire du FESPACO ce qu'il est devenu, c'est-à-dire le plus grand festival de cinéma panafricain en Afrique. Je ne parlerai pas de la période avant la colonisation, c'est-à-dire la période coloniale, ni la période avant la colonisation. Sinon, bien entendu, je ne peux pas ne pas parler du président Daniel Ouezen Koulibaly, celui qu'on appelait le lion du RDA, qui s'est battu avec acharnement pour l'indépendance de la Haute-Volta, l'indépendance des pays africains. Si je devais parler de Ouezen Koulibaly, j'aurais raconté cette anecdote que je me permets quand même de faire, qui est que j'étais en Europe pour des études et puis je vais voir un film très important qui s'appelle Afrique 50. Certains connaissent, un documentaire qui a été fait dans les années 50 par un cinéaste de génie qui s'appelle René Vautier, un Français. Et René Vautier, à la fin de la séance, je vais le voir et tout de suite, j'ai une grande amitié avec cet homme. Je pense qu'il avait déjà plus de 80 ans. Et René Vautier me prend de côté, il me dit, quand j'ai dit qu'il suis burkinabé, il me raconte toute l'histoire du film, qui est une histoire passionnante, on n'a pas le temps de la faire ici. Mais surtout, il m'indique une chose. Je lui dis, il y a ces passages que j'ai pas, des images que je n'ai pas vues, où est-ce que c'était? Il m'a dit que c'est Bobo Dioulasso. J'ai dit, ah, c'est ma ville natale. Et donc, il m'explique l'histoire de Bobo et il me dit que son grand ami à lui, c'était Daniel Ouezen Koulibaly. Et que Daniel Ouezen Koulibaly est allé le voir un jour. Ouezen Koulibaly était au Parlement français. Et Ouezen allait le voir et Ouezen a pleuré profondément parce qu'il avait voté. Il avait voté une loi pour envoyer des, pour augmenter le budget de la guerre française contre le Vietnam. Et en nationaliste africain, ça le heurtait profondément. Il allait expliquer, s'en ouvrir à René Vautier pour expliquer que c'est parce qu'on leur avait fait un odieux chantage en leur disant, si vous ne votez pas le budget, c'est les nègres qu'on va aller chercher pour aller se battre au Vietnam. Il a voté le budget et les nègres sont quand même allés également au Vietnam. Donc c'est une leçon d'histoire. Je ne parlerai donc pas de René Vautier ni de Ouezen Koulibaly dont j'ai dit aucun mot. Je ne parlerai pas d'un romancier. Sinon, j'aurais parlé du premier grand roman, l'auteur du premier grand roman, voltaïque burkinabé, vous savez de qui je parle, le père du père Benfa, de Nasi Boné. Je ne parlerai pas d'un certain grand serviteur de l'État qui a été le père de l'auto-ajustement à la voltaïque, de Marc Garango. Je ne parlerai pas d'un homme profondément patriote, intègre, qui a été directeur général des douanes dans notre pays, qui était peut-être l'un des citoyens les plus intègres, mais c'était un douanier qui est précocement mort. Je ne parlerai pas de Amirou Lankwande, qui était un homme travailleur, chevronné, un grand sens du devoir et de l'État, et à qui la Commission de la réconciliation et des réformes, sous ma plume, a fait hommage en quelques lignes. Si vous voulez en savoir davantage, je vous engage à parler avec le professeur Salif Yonaba, qui est le juriste le plus prolifique dans notre pays. Ça ne sera donc pas les femmes, j'ai dit également. Du coup, on ne peut pas parler des braves femmes de Koubri, de Lumbila, qui cultivent de façon tout à fait amoureuse des légumes pour nous alimenter à Ouagadougou. Je ne parlerai pas de ces braves héroïnes, des femmes de qualité, de Léguémaloro à Bobo, qui sont des entrepreneurs nés. Je ne parlerai pas de ces potières de Tchériba. Je ne parlerai pas de toutes ces tisseuses qui nous habillent. On aurait pu avoir un comédien. Et si on devait avoir un comédien, évidemment, c'est évidemment l'inimitable Sotigui Kouyaté, instituteur, footballeur dans mon club de cœur, footballeur au Racing Club de Bobo Dioulasso, qui a fait des choses sublimes avec Peter Brook, musicien, qui est l'auteur d'un des plus grands tubes de notre histoire, Maria Matouré, je suis convaincu qu'il y a beaucoup qui savent pas ça, qui était un herboriste de talent et qui est l'acteur qui a eu l'Ours d'Or, qui a eu tout ce que vous savez. J'aurais bien voulu que ce soit des musiciens pour vous parler de Mama Konaté. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas qui est Mama Konaté. Mama Konaté, c'est le balafoniste de génie du groupe Farafina qu'il a cofondé, qui a été une source de renouveau pour le balafon, qui a ajouté des palettes et de nouvelles sonorités dans le balafon, qui est le premier artiste à porter les musiques traditionnelles du Burkina Faso sur la scène internationale et dans les meilleures scènes internationales,
et qui a formé et influencé des générations de musiciens dans notre pays. Je ne parlerai pas de peuple, sinon comment on peut oublier le peuple Bouaba qui a eu l'héroïque résistance de 1916 que Norbert Zongo raconte dans son livre Oubenga, et qui est un peuple qui savait qu'il était moins fort que l'adversaire, mais qui est allé au combat en le sachant pour mourir libre plutôt que de subir l'humiliation. On aurait même pu parler de sportifs. Et si c'était des sportifs, certains d'entre vous sans doute penseraient à Boum Boum, Nabaloum Draman, qui était un sportif de génie, qui a eu le malheur de pratiquer un sport noble dans un pays très mal organisé sur ce secteur, et qui pleurait à chaque fois que l'hymne national chantait, chaque fois qu'on chantait l'hymne national, l'entonnait l'hymne national pendant le sport. On peut parler de notre jeune frère à nous, beaucoup d'entre nous, Iron Bibi, qui est l'homme le plus fort du monde. Je vous assure qu'il vient de notre pays. Je ne vais pas parler d'un de mes amis, qui est peut-être l'une de nos plus belles pupitres, même pas peut-être, assurément. Je ne parlerai pas donc de Francis Kéré, le génie, le fou de génie. Vous savez que son nom, c'est Francis Kindo. C'est un Yadga, en fait. Ils ont changé pour qu'il devienne Bissa après. Donc c'est ça. Sinon, c'est Francis Kindo, mais bon. Je vais faire comme tout le monde va l'appeler Francis Kéré, qui est un véritable militant du développement, qui fait honneur à notre pays à travers l'architecture, en portant une architecture écologique à travers le monde. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous n'auraient pas pensé à des hommes d'affaires, mais on aurait pu penser à des hommes d'affaires, de génie dans notre pays. On aurait pu penser, comme un film américain, on aurait pu faire un clin d'œil à ces gens qui ont bâti le pays au plan économique. Et en conséquence, je ne sais pas pourquoi je n'aurais pas parlé de Baro Djanginaba, qui est l'industriel de Bobo, de Ouroudara, qui a créé des entreprises sans être allé à l'école francophone. Je ne sais pas comment on aurait pu omettre de parler du vieux Ella Djoumarou Kanazioué, qui a construit, quand il mourait, 70% des routes du Burkina avaient été construites par son entreprise, qui n'était pas un analphabète, contrairement à ce qu'on dit, il écrivait en arabe. C'était juste pas un francophone. Je suis convaincu que si on devait demander aux jeunes du secteur informel qui est leur héros, probablement qu'ils allaient parler de Djanginaba, probablement qu'ils allaient parler du vieux Kanazioué. J'ai le regret que ce ne sera pas une dernière personne qui est un immense sportif. Je suis convaincu que si on fait une interro, personne ne trouvera. Ce n'est pas Boum Boum. Ce n'est pas Saïd Bazongo, le cycliste. C'était un arbitre, un grand arbitre de talent de football, mondialement connu, qui a arbitré des matchs mémorables, plus importants que la Coupe du Monde. Vous ne vous souvenez pas du carton rouge de Arba Diallo? Ça ne sera donc pas Arba Diallo, Amar Arba Diallo, qui nous manque profondément, qui manque en son pays, qui a été également un grand fils de ce pays. Alors, je ne parlerai pas de tout ce monde. De qui vais-je donc parler? Bon, vous comprenez très bien que vos pronostics doivent avoir des choses justes, mais je ne suis pas sûr que vous avez gagné à 100%. Et que mes choix seront sans doute vus comme des choix subjectifs. C'est des choix de ceux que j'ai le plus connus, pas forcément physiquement, mais dans leurs écrits, dans leurs paroles au quotidien, qui m'habitent toujours, qui sont dans ma bibliothèque, qui sont avec moi, qui sont dans ma tête. Mais mes choix sont aussi objectifs. Mes choix sont fondés sur le constat suivant que j'ai fait, que notre pays a connu, on va dire, plusieurs événements qui ont marqué ces 60 dernières années. Le premier événement, c'est janvier 66, l'insurrection. Le deuxième événement, c'est la révolution d'août de Sankara. Le troisième événement, c'est l'assassinat de Norbert en 1998. Et le quatrième et dernier événement, pour m'en arrêter à quatre, c'est l'insurrection populaire d'octobre 2014. Eh bien, les trois choix que j'ai faits sont des gens qui étaient les symboles, qui étaient décisifs dans ces quatre événements, qui étaient d'une manière ou d'une autre derrière ces quatre événements. En conséquence, je veux arrêter ce propos préliminaire en indiquant que je parlerai dans un deuxième temps maintenant de deux hommes sur les trois. Et ces deux hommes, je suis convaincu que vous n'imaginez pas, c'est un père et son fils. Et puis, troisièmement, je parlerai de deux autres hommes. Mais ça fera quatre. Après, je vais faire quatre moins un et puis je vais avoir trois, comme par magie.
Deuxième tendon de la communication, le père et le fils. Il faut donc qu'on commence par le commencement. Au début était quoi? Au début était l'histoire. Et l'histoire chez nous, ça a un nom. L'histoire chez nous, c'est qui Zoromé. Lui aussi, on a déformé son nom. C'était qui Zoromé? Il venait de Waluga. Puis on l'a appelé, ça a été déformé. On appelle maintenant qui Zerbo. Bon, on va accepter ça comme ça. Sinon, c'était un grand Yadga. On ne va pas rectifier, on ne va pas... Bon. Évidemment, Kizerbo. Et sur lui, vos paris sont justes. Comment pourrais-je commencer par une autre personne que par le plus grand historien de notre pays, l'un des plus grands historiens du continent? Comment pourrais-je commencer par quelqu'un d'autre que mon maître? J'ai rencontré Kizerbo quand j'étais en seconde, dans une bibliothèque, une petite bibliothèque à Bobo, au secteur 5, la bibliothèque du CESAO. Et je préparais, c'était un jeudi après-midi, il n'y avait pas de cours, et je préparais un exposé pour le lendemain sur les royaumes Moussi avec des amis. On avait fait beaucoup d'autres choses que de préparer à temps, et donc on était à la bourre. Et je l'ai rencontré, Kizerbo, dans cette petite bibliothèque. Il m'a donné tout son temps, près de 3 heures. Il m'a édifié, il m'a répondu à toutes mes questions. Je suis sorti complètement changé. Vous comprenez donc que je suis un grand privilégié. Mais en réalité, ceux qui ont mon âge, quand j'étais en seconde, peuvent encore le rencontrer dans cette bibliothèque. Parce qu'en réalité, ce n'était pas Kizerbo en personne, c'était son œuvre magistrale, Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain, chez Attier, je pense 1978. Et une œuvre qui est préfacée par son maître à lui, le maître des maîtres, donc, Fernand Braudel. Ça, c'est ma première rencontre qui m'a changé déjà avec le professeur Kizerbo à travers donc, son livre. Un de ses livres. Son livre magistral, son œuvre la plus importante. Je l'ai rencontré à nouveau, cette fois-ci physiquement, je ne vais pas en parler, peut-être dans les questions à une autre occasion. Ça, c'était après l'assassinat de Norbert. Comme beaucoup de ma génération qui n'ont connu Kizerbo réellement, y compris physiquement, qu'après l'assassinat de Norbert, où il a eu une rencontre avec la jeunesse de son pays, ma génération à moi. Nous étions donc là, dans le mouvement Trop c'est trop, nous étions avec lui, avec d'autres, nous étions là, quand avec, comme il appelait le génie populaire, il a créé le slogan « Nanlara Ansara ». Nous étions là. Nous étions là quand il a dit « Si nous nous sommes couchés, nous sommes morts ». Et quand il a répété « La position couchée est celle du cimetière. C'est aussi celle que tous les dictateurs voudraient voir leur peuple prendre ». Nous étions là. La position couchée, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à Abidjan. J'espère qu'ils ne vont pas se coucher. La position couchée, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à N'Djamena. J'espère qu'ils vont se mettre debout. Et la position couchée, c'est ce que Paul Biya et d'autres souhaiteraient. Y compris la position couchée, c'est ce qu'on voudrait qu'on prenne ici, dans le Sahel ou à l'Est. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se mette debout. Nous étions là également quand, dans ces nombreux meetings, Kizerbo tensait le peuple de Yelkaye. C'est-à-dire ce peuple qui dit toujours « tout se passe bien ». Et il nous a dit quelque chose de majeur. Un jour, au début d'un meeting, je m'en souviendrai toujours de son discours, il a dit « Si nous traversons la mare en rang serré, nous ne craignons rien du crocodile. Si nous traversons la mare en rang serré, nous ne craignons rien du crocodile. » Je suis convaincu que s'il était là aujourd'hui, il nous aurait dit « Si nous traversons le désert du terrorisme en rang serré, nous ne risquons rien. » Si nous y faisons face en rang serré, nous ne risquons rien de l'ogre terroriste. Et j'ai rencontré encore Kizerbo au 30e anniversaire du Codestré en 2003. J'étais étudiant en licence à Cotonou et j'ai eu le bonheur que mon papier, qui a été sélectionné parmi les papiers, donc je me suis rendu à Cotonou au colloque et j'étais là-bas et... J'ai eu le bonheur de le rencontrer physiquement encore, de passer du temps avec lui. Je me mousse, hein, mais c'est pour vous dire ce que je vais vous dire. Et j'ai eu le plaisir de lui présenter un travail de recherche que j'avais initié à l'époque, qui n'est même pas encore abouti. J'étais en train de rêver à un concept que j'appelais le concept d'utilité patriotique pour essayer de voir quelle est la contribution que les Africains, chacun d'entre nous, apporte au pays. Et j'avais fait une typologie des Africains. Et j'avais fait aussi une typologie des Africains de la diaspora. Et j'avais 6 types d'Africains de la diaspora.
Quand je lui ai montré les 6 types d'Africains de la diaspora, il m'a regardé avec le regard que vous savez qu'il pouvait avoir, ce regard qui vous perce l'âme, l'esprit, le cœur et le physique en même temps et qui vous tient. Il m'a dit, où est dans ta typologie les Africains de la Méditerranée? C'est-à-dire ces jeunes Africains qui, sur le chemin de l'exil, sont restés dans la Méditerranée. Je suis resté sans réponse. Il n'y a pas de réponse à faire au maître sur une question comme cela. J'ai rangé mes feuilles de petits prétentieux. Je suis resté là. La conversation a continué. C'était le dernier jour où je le rencontrais. C'était en 2003, en décembre 2003. Mais à cette occasion, comme quand je partais à Dakar, je savais qu'il était parmi les intervenants, j'avais amené les livres de lui que j'avais pour qu'il me fasse la dédicace. Et donc, quand j'arrive, il y a une file, le premier jour, il y a une file de personnes qui, chacun s'avance, mais c'était les grands professeurs qui voulaient dédicacer. Hein. C'était les professeurs Elikiam Bokolo qui voulaient dédicacer. Moi, j'étais derrière également avec mes livres. J'en avais deux. J'arrive, je lui tends à Canafrique. Il écrit pour Seydou Ouedraogo et il met sentiment fraternel. Il signe. La signature très hésitante, mais très singulière. Et quand il lève le visage pour me reconnaître, il me dit, mais toi, j'aurais pas dû écrire sentiment fraternel. Toi, tu es mon fils, j'aurais dû écrire sentiment paternel. Je lui dis, ça tombe très bien. Il y a le gros livre, Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain, donc je lui donne. Il écrit donc sentiment paternel. Vous avez donc compris que le père et le fils, il s'agit de Kizerbo et de Rassablega, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, c'est que vous ne m'aimez pas. Hein? Vous me demandez d'être aussi prétentieux. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Kizerbo et de son fils. Je vais vous parler de son fils. Mais je vais d'abord préciser que le livre qu'il a dédicacé là, où il a écrit « Sentiment fraternel » et « Sentiment paternel » là, ce n'est pas à Free Afrique, hein. Ce n'est pas dans ma bibliothèque, ce n'est pas chez moi. Hein. Parce que les gens, les méchants qui sont venus chez moi casser, prendre mon ordinateur, partir avec là, ils peuvent encore revenir pour chercher ça. Il n'y a pas ça chez moi. Hein. Voilà, donc il faut savoir ça. C'est à Kossiam, allez là-bas, allez chercher ça là-bas. Le père et le fils, c'est en réalité Joseph Sankara et Thomas Sankara. Le père de Thomas Sankara s'appelait Joseph. Et pour moi, Sankara était le fils de Joseph Kizerbo. Je vais m'expliquer. Je reviens à Cotonou, à Ouida en 2006, pour dire que dans l'hommage que j'ai rendu à mon maître, à la fin, je me suis posé une question qui était d'un jeûne, qui était partagé, qui était travaillé par cette contradiction que j'ai relevée. J'ai dit, pourquoi l'homme dont la pensée me fascine tant, pourquoi mon maître intellectuel a été en conflit avec mon maître, l'homme que j'admire le plus dans l'action concrète? Parce que quand vous y pensez, on va le voir, il y a beaucoup de choses qui les rassemblent. Et je n'ai pas compris donc que, sous le président Sankara, la bibliothèque de plus de 10 000 volumes de professeur Kizerbo a été vendangée par des... A été, c'est pas vendangée, on dit, comment on dit cela? A été saccagée. A été saccagée. Quand on est fatigué, on oublie les mots. Le mot précis, c'est pas saccagée. Vandalisée. Vandalisée. Par des jeunes qui se réclamaient de Sankara. Pendant que pour moi, la parenté entre Kizerbo et Sankara est tellement risible, c'est tellement trivial que quand on la pose, on n'a même pas besoin de discourir. Quand l'un dit, on ne développe pas, on se développe, l'autre répond dans l'action, produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. C'est la même chose. Quand l'un dit le développement endogène, le développement n'est qu'endogène, et que ceux qui viennent avec leurs ressources pour nous dire qu'ils sont des, ils vont nous développer, sont des développementeurs, quand Kizerbo dit ça, Sankara dit, avec ironie, parle des hommes dont le bâillement suffira à insuffler le développement.
quand Kizerbo écrit la natte des autres, Sankara dit il faut qu'on se passe de l'aide alimentaire et qu'on produise pour nous-mêmes et organise l'autosuffisance alimentaire en 3 ans dans son pays. Kizerbo, c'est le souci des majorités. Et qui, dans la politique économique, dans la politique publique, de façon concrète, a servi davantage les majorités paysannes dans notre pays? Si bien que Sankara a pu dire, il faut qu'on choisisse entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour la majorité. J'ai été profondément révulsé que ce gouvernement de buveurs de champagne est sorti ça pour dire il faut qu'on choisisse entre le champagne et l'eau potable pour tous. J'ai cherché dans le dictionnaire comment on appelle les buveurs de champagne, je n'ai pas trouvé. Donc, je propose qu'on crée un mot, des champagnards. Donc, comment ce gouvernement de champagnards peut nous sortir cette phrase de Sankara quand même? Ça m'a révulsé et ça m'a fait penser à Sankara partout, Sankara nulle part. Donc l'idée que sa pensée est galvaudée, y compris par ceux qui font tout le contraire de ce que sa pensée et son action disaient. Quand Kizerbo dit que la culture sans infrastructure, c'est le folklore, Sankara crée l'Institut des Peuples Noirs. Sankara finance le FESPACO et met le FESPACO au pinacle. Quand Kizerbo dit la place fondamentale de l'histoire pour le développement, Sankara, encore une fois, souligne le rôle majeur que doit jouer l'Institut des Peuples Noirs. Quand Kizerbo écrit un livre majeur qui est malheureusement peu connu de lui, qui s'appelle « Compagnons du soleil », qui est une anthologie de grands textes de l'humanité sur les rapports entre l'homme et la nature, donc un texte, un livre majeur sur l'écologie, sur l'environnement, Sankara est le pionnier de l'écologie avant l'heure, est le monsieur, le président des trois luttes. Quand Kizerbo dit « il faut installer le peuple souverain dans le fauteuil du commandement », Sankara dit « pas un pas sans le peuple ». Quand Kizerbo parle du rôle des intellectuels, Sankara rappelle aux intellectuels que ce n'est pas les diplômes qui comptent. Et je vais vous raconter une anecdote. Je suis très chanceux d'avoir entendu cette anecdote de la bouche même de la personne qui a rencontré Sankara là-dessus, de feu, Idrissa Ouedraogo, le réalisateur. Je l'ai rencontré un jour dans un restaurant, il m'a raconté cette histoire. J'étais avec mon ami Sano David, donc il y a un témoin oculaire. Il nous a expliqué qu'un jour, je pense que le président Sankara était ministre de l'Information, je pense que c'était en 82. Sankara va à Paris et Idrissa Ouedraogo était étudiant. Sankara organise une rencontre avec Idrissa Ouedraogo, mais vous savez que c'était un énorme travailleur, donc il organise la rencontre entre deux trajets. Idrissa Ouedraogo monte dans la voiture, et Sankara est devant avec son chauffeur et Idrissa est derrière. Et Sankara donc commence à faire la conversation, de sorte que d'ici à ce qu'il arrive à son prochain rendez-vous, la réunion est terminée. Donc avant qu'il n'arrive au prochain rendez-vous, ça ne va pas arriver au prochain rendez-vous hein, pour que la réunion se termine. Sankara dit à Idrissa Ouedraogo, qu'est-ce que vous faites? Idrissa dit qu'il avait déjà fait des études de cinéma, mais qu'il voulait approfondir. Sankara dit non, il faut arrêter, vous rentrez à Ouagadougou, on a besoin de vous aussi, ministre de l'Information, on a de grandes ambitions pour le cinéma, tout. Et vous savez, mon parent, il y a un regard, lui, il dit non, mais comment ça? C'est mon choix. Je vais faire des études, je vais bien comprendre le cinéma et tout. Sankara dit non, ce que vous savez déjà est très important pour notre pays, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Notre pays est très loin derrière, il faut rentrer seulement, on va faire. Et puis, quand ça se passe ainsi, le ton monte, Idrissa Ouedraogo se fâche, Sankara demande au chauffeur de garer, dit de descendre. Il dit c'est ça les intellectuels là, ils sont prétentieux. Non, il n'a pas dit prétentieux, il n'aime pas qu'on leur fasse des critiques, il n'a qu'à descendre. C'est comme ça que la rencontre entre Sankara et Idrissa Ouedraogo se termine sur le périphérique donc, où on débarque Idrissa Ouedraogo et Sankara continue. Ça permet de montrer ce que Sankara pensait de l'intellectuel. Et Kizerbo, bien sûr, c'est le penseur du panafricanisme. Il dit donnez-moi l'unité et je vous donnerai le développement. Et Sankara répond par son discours sur la dette à l'OUA. Kizerbo, ça a été à la fin l'altermondialiste adulé par tous. Et Sankara, son discours à l'ONU, c'est aussi le grand internationaliste. Donc, en réalité, le père et le fils est tout juste que de considérer que Joseph Sankara n'était pas le seul père de Sankara. Il y avait aussi Joseph Kizerbo et que Sankara était aussi le fils de Kizerbo. Et cette corrélation parfaite est saisissante, comme je viens de l'indiquer.
Mais elle nous pose la question, pourquoi ils ne se sont donc pas entendus? En réalité, la corrélation n'est pas si parfaite que cela, parce que Sankara, c'était un révolutionnaire et Kizerbo était un réformiste. On n'a pas le temps de faire le distinguo, mais quand je dis ça, il y en a qui disent « Ah oui, c'était deux choses diamétralement opposées ». Mais même là, quand on regarde de façon fine, Kizerbo, ce n'était pas tant un réformiste tiède, parce que nous l'avons vu aux côtés de révolutionnaires qui se disaient plus radicaux que lui et qui reculaient pendant que lui demandait d'avancer. Et Sankara n'était pas non plus un révolutionnaire dogmatique qui était fermé à tout, il était très pragmatique. La preuve, je vais vous dire une autre anecdote. Si vous demandez à Baro Dianginaba, ce n'est pas moi qui ai fait l'entretien, c'est d'autres qui l'ont fait, qui est l'homme d'affaires de la région ouest du Burkina Faso, de lui dire de toute l'histoire du Burkina, quand est-ce qu'il a été, en tant qu'homme d'affaires, le plus à l'aise pour faire des affaires et quand est-ce donc qu'il a eu le plus d'argent, il va vous dire que c'était sous Sankara. C'est la même chose que le vieux Oumarou Kanazoué disait. C'est-à-dire donc que le rapport entre Sankara, le révolutionnaire, et les hommes d'affaires était un rapport plus intelligent, plus subtil, plus efficace que ce qu'aurait pu être une sorte d'attitude dogmatique. Deuxième chose, je crois que la décennie 80 a été décisive dans le fait qu'ils ne s'entendent pas a priori. Parce que la décennie 70, les décennies 70 et 80, c'était des moments de la guerre froide, donc c'était des moments où Sankara émergeait, et c'était des moments où les clivages idéologiques étaient très forts, où les questions idéologiques étaient discutées de façon très âpre, de sorte que je crois que ça a pu créer des barrières. Mais aussi leurs amis ne les ont pas aidés. Vous savez ce que ça peut être des amis, hein. Quand ils vous adorent, ils ne veulent pas souvent vous partager avec d'autres. Je pense que Sankara avait raison d'avoir légitimement peur de certains amis de Kizerbo, y compris qui étaient en France. De la même manière, Kizerbo a eu légitimement raison de fuir certains amis de Sankara qui sont devenus ce que vous savez plus tard. De sorte que quand Sankara dit qu'il a été libéré, quand le professeur Kizerbo est parti en exil sous Sankara, ce n'est pas juste un jeu de mots. Je crois qu'on peut aussi penser qu'il était tout sincère, à savoir qu'il se disait qu'il ne faut pas que des partisans zélés commettent l'irréparable contre un intellectuel qu'il respectait aussi. Et enfin, au fond, je crois que la relation entre le père et le fils devient conflictuelle à un moment donné. Quand vous allez en pays, il y a des gars autour de Walibia, il y a des villages chaque 2-3 km, c'est cette relation qui explique ça. Quand le fils devient fort, il faut qu'il s'oppose un peu au père, un peu une sorte de complexe d'Édipe là, il faut qu'il s'oppose au père pour aller créer son village, mais après quand c'est fait, il revient de la fratrie, la filiation continue. Donc, c'est pour ça que j'ai dit le père et le fils, comme pour faire un jeu de mots, même si je ne suis pas freudien. Donc, je pense qu'on peut légitimement considérer que si Dieu avait donné vie au plus grand homme de notre siècle passé, Thomas Sankara, au plus grand homme de notre histoire, probablement que les convergences allaient s'organiser. Parce que je ne crois absolument pas que Sankara était le même en 1983 qu'en 1987. La preuve, ceux qui le connaissent, on pourra en discuter, savent qu'il n'a jamais été aussi prêt de gérer un pays qu'en 1987. Il était monté en capacité, il était monté en puissance, il était monté en sagesse, il était monté à tout point de vue, d'où son discours de la pause. Et c'est pour cela, du reste, me semble-t-il également, qu'on a précipité l'événement dramatique pour ne pas que son action continue. Mais Dieu seul sait aujourd'hui qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Et je crois également que quand le vieux Kizerbo est allé voir la famille Sankara et qu'il a dit qu'il comprend très bien Sankara, il le comprend mieux maintenant, ça montre qu'il y avait cette convergence qui aurait pu se faire. Et je sais que Odile Sankara, qui est ma grande sœur qui est là, Blandine, sont de bons amis, de très bons amis avec mon esclave Lazare Kizerbo et que Odile a fait de superbes choses avec Lazare Kizerbo. Donc ça montre cela. Et aussi, je crois que quand vous regardez la trajectoire de quelqu'un comme Rawlings, qui était le meilleur allié de Sankara dans la sous-région, Rawlings est devenu, qui était plus radical que Sankara, hein, quand il est arrivé, lui, il a détesté les gens, il n'a pas fait dans la demi-mesure. Hein. Rawlings a quand même été finalement le père de la démocratie ghanéenne. Donc, pour dire que je crois que les convergences auraient pu se faire. Et du reste, les convergences se sont faites. J'ai vu les convergences dans un rêve, je vais vous le dire à la fin, où ils discutaient entre eux. Je suis convaincu qu'en ce moment, ils sont en train de garder. Mais qu'est-ce que le petit raconte de nous là? Il faut faire attention, hein, donc on va faire très attention.
Donc, pour faire court sur cette partie, je pense que le plus grand homme de notre histoire, Thomas Sankara, a été l'inventeur du projet national, qui n'est pas achevé, mais la création du Burkina Faso n'était pas juste, encore une fois, une opération cosmétique. C'était réellement un projet, une vision de créer la terre de l'intégrité à partir des bouts d'intégrité que nous avons. Sankara, c'était la plus belle fleur du siècle passé chez nous. C'est l'un des Africains les plus importants du siècle. Et pour la jeunesse, je suis convaincu que si on fait un sondage pour la jeunesse africaine, il est numéro un. Sankara était numéro un, et numéro un pour la jeunesse africaine et Burkinabé, précisément parce que Sankara, c'était la fusion totale entre la parole et l'action. Il faisait ce qu'il disait, et il disait ce qu'il faisait. Sankara, c'était le don de soi. Ce n'était pas un saint. Sankara, c'était un pionnier de l'écologie, je l'ai dit. C'était un révolutionnaire pragmatique. Sankara, c'était la parole agissante aussi. C'était les convictions en action. Donc, si nous cherchons des repères pour l'avenir et qu'on va vers Sankara, ne faisons pas Sankara partout, Sankara nulle part, c'est-à-dire ne prenons pas juste les discours de Sankara pour dire que c'est génial. C'était un paquet, c'était une cohérence, c'était un tout qui se tenait. Essayons d'être un tout, chacun à son niveau, pour honorer le plus grand homme de notre histoire, pour honorer notre père. Kizerbo, c'est la sève historique de notre conscience. Kizerbo, c'est l'intellectuel organique, c'est-à-dire arrimé à son pays, à son peuple, aux besoins de son peuple. Kizerbo, c'était une machine à fabriquer des formules. C'était un yardgard. Du coup, les yardistes sont très forts dans les formules. Hein. Donc, vous voulez que je vous donne, par exemple, une formule du maître. Il dit, le verbe ne suffit pas. Il lui faut un complément d'action directe. C'est pas beau, ça? C'était cela, le sens de la formule chez Kizerbo. Quand il dit, ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous sommes exploités, c'est parce que nous sommes exploités que nous sommes noirs. Ce sont des paroles fortes, des paroles denses. Et j'ai envie de terminer sur Kizerbo en disant une chose importante. Kizerbo, c'était l'universitaire, mais très curieux, très curieux. Je vais vous apprendre quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entre vous. Kizerbo n'a jamais eu de doctorat. Quand on l'appelait professeur agrégé, c'était professeur agrégé des lycées. Kizerbo n'a jamais été enseignant à l'université Ouagadougou. Jamais. Il a été vacataire, mais n'a jamais été enseignant permanent. Il s'est trouvé des gens pour dire qu'il n'avait pas le diplôme pour enseigner ici. Exactement comme avait Cheikh Anta Diop au Sénégal, qui n'a enseigné à l'université que sur le tard, parce qu'interdit par Senghor. Kizerbo est membre fondateur du CAMES, qui est l'organisation que vous savez, qui l'a dirigée, qui l'a inspirée, mais il n'était pas universitaire accepté comme universitaire dans son pays. Mais comme l'histoire établit toujours les choses, l'université de Ouagadougou s'appelle aujourd'hui l'université Joseph Kizerbo. Un pied de nez à tous ces messieurs qui pensaient qu'ils n'étaient pas universitaires. Et ce qui me pose beaucoup de questions sur mon rôle à l'université, sachez que ça détermine mon attitude à l'université. À savoir donc que les titres, on s'en fout. On regarde ce que vous faites dans le concret. Je suis convaincu que le père Joseph Kizerbo et le fils Thomas Sankara nous disent beaucoup de choses. Que nous disent-ils dans le moment actuel de notre pays? Ils nous disent que si nous faisons face ensemble, rien ne peut nous arriver. Que si nous faisons face ensemble, nous n'avons rien à craindre du terrorisme. Ils nous disent que nous avons notre destin en main, que nous devons honorer leur travail. Et je suis convaincu que si mon maître Kizerbo était là, il aurait dit cette citation de Francisco de Goya aux intellectuels burkinabés. Il nous aurait dit « Le sommeil de la raison engendre des monstres. » Le sommeil de la raison engendre des monstres. C'est parce que, aussi, les intellectuels burkinabés ont sommeillé que le monstre communautaire, le monstre terroriste, le monstre de la corruption, le monstre du sous-développement continue et continue de se développer dans notre pays. Je suis convaincu qu'il nous aurait dit qu'il nous faut être des minorités historiques. Ainsi donc, les trois plus grandes figures dont je veux vous parler, dont je veux
parler ce soir sont deux grands hommes, le Père et le Fils. Parlons, troisième partie de la communication, maintenant d'un autre homme, un grand monsieur, un monsieur qui est un Zorro, je n'ai pas dit un zéro, tout le son, un Zorro, c'est-à-dire un justicier. Et pour vous parler de lui, revenons en 1997, j'étais tout jeune étudiant, je suis avec mon complice Anna David, on est à l'ambassade des États-Unis à l'époque à Koulouba, et nous allons suivre une conférence de ce monsieur. Il y a une cinquantaine de jeunes, on suit la conférence, il explique plein de choses. À la fin de la conférence, mon ami David, qui était étudiant en journalisme, va le voir pour lui dire qu'il faut qu'il arrête son travail de journalisme. Et moi, je suis là comme témoin et il explique à David que non, il faut qu'on continue. David dit non, il faut arrêter parce qu'ils vont te tuer comme tu viens d'expliquer et puis le pays ne mérite pas que tu fasses ça. Ça a été très long et il a dit en gros à David, vous avez tort de considérer que les peuples sont immobiles. Les peuples bougent, il n'y a pas un peuple mort. Les peuples bougent, mais ils bougent lentement, mais sûrement. Donc il a dit qu'il croyait que son œuvre était en train comme une goutte d'eau qui tombe régulièrement, comme les gouttes d'eau qui tombent régulièrement sur la roche la plus dure, mais qui vont finir par avoir raison de la roche. Il était trop modeste, trop humble pour avoir cette comparaison. C'est moi qui l'ai fait aujourd'hui. C'est moi qui le dis ainsi. Bon, moi j'ai essayé de convaincre David qu'il avait raison, mais moi-même je n'étais pas très convaincu. J'ai été convaincu qu'il avait raison le 16 décembre 1998, quand on a assassiné Norbert Zongo et que nous portions Norbert Zongo à sa demeure au cimetière de Gounguin. Quand j'ai vu la foule que je n'avais jamais vue de ma vie, j'ai compris que Norbert Zongo avait raison. Un autre jour, une autre fois, je raconterai ma rencontre avec Norbert Zongo quelques semaines avant son assassinat, dans son bureau, à son journal, et puis rencontre qui a été interrompue à la fin par Germain Bitunama, son grand complice, qui ne se souvient pas du jeune étudiant qui était allé voir Norbert Zongo à l'époque. Mais bon, là n'est pas le propos. Qui était Norbert Zongo? Et pour bien connaître Norbert Zongo, il faut qu'on reprenne l'avion, parce qu'on ne peut connaître Norbert que hors du pays. Donc, il faut prendre l'avion. Je vous ai expliqué, vous savez, Free Afrique, c'est la grosse fortune, là. On a le jumbo jet et tout ce qu'on souhaiterait. 600 places, montez, mesdames, messieurs, on peut démarrer direction l'Europe. Et on part où? Avec Air Bobo-Dioulamossi, on part à Blanza, petite commune de moins de 5000 habitants, à 40 km de... même pas 30 minutes de Clermont-Ferrand, donc en Auvergne, au cœur de la France. On va dans le quartier de cette commune qui s'appelle Les Mauvaises, un quartier en hauteur, et dans une super belle villa, mais modeste, où il y a une dépendance qui a été nommée Rawatenga, parce qu'il est passé quelqu'un là-bas qui s'appelait Rachablaga, et qui en fait partageait une maison avec une dame formidable qui est devenue ma mère française, qui m'a appris énormément de choses et que je continue d'admirer toujours, qui était une grande féministe. Je suis convaincu que vous allez vous entendre, Tanti. Et cette dame avait, avec son mari, constitué une énorme bibliothèque dans leur superbe maison, superbe mais modeste. Et au milieu de cette bibliothèque trônait l'œuvre de Norbert Zongo, l'œuvre intégrale. Enfin, je me suis trompé. Ce n'était pas l'œuvre de Norbert Zongo. C'était l'œuvre de Norbert Zongo français. L'œuvre de Émile Zola. L'œuvre intégrale de Zola. Et donc, quand l'étudiant en thèse voulait sortir des chiffres de l'économie et divaguer, j'empoignais les écrits de Zola, en particulier ses essais politiques, ses tribunes qui avaient été rassemblées dans des livres. Et quand j'ai commencé à lire Zola, j'ai tout de suite pensé à Norbert. J'avais lu Zola au lycée, mais pas de façon systématique, pas avec la hauteur que j'avais quand j'étais en thèse. Et j'ai commencé à penser à Norbert Zongo. J'ai écrit un projet qui s'appelle Z au cube. 3 fois Z, en gros. Z au cube.
qui dit donc Zola Zongo même Zoro. L'idée que Norbert Zongo et Émile Zola avaient une ressemblance à mes yeux foudroyante et que cette ressemblance avait comme dénominateur commun le fait qu'ils étaient des Zoro, des justiciers, en d'autres termes, des intellectuels. Observez ceci. Zola a été journaliste, Norbert l'a été. Zola a été romancier, Norbert l'a été. Zola a été censuré, Norbert a été censuré. Zola a créé un journal parce qu'on l'a censuré, Norbert a créé un journal parce qu'on l'a censuré. J'ai découvert que Zola, cette technique d'écriture, quand il écrit Germinal, il va travailler avec les ouvriers dans les mines, il va voir les mines, il va enquêter pour bien comprendre le sujet, même si c'était roman, et pouvoir mieux écrire, pour être plus crédible. C'est une leçon donnée aux littéraires burkinabés, aux jeunes romanciers, dont certains sont dans notre formation. Et ça m'a fait penser à Norbert Zongo qui nous expliquait à une conférence comment, quand lui doit écrire sur le pays, il prenait le bus X9 à l'époque, il prenait le bus, il rentrait dans la ville, il écoutait les rumeurs de la ville, comme Saloukin adore dire, et il s'imbibait de la ville pour écrire. Donc, même les techniques d'écriture étaient proches. J'ai compris que Zola avait une œuvre majeure que nous ne connaissions pas à travers ses romans. Ce sont ses essais, encore une fois, quand il a écrit sur la patrie, sur la nation, sur la vérité en marche, souvenez-vous, sur la jeunesse, sur la justice. J'ai retrouvé vraiment Norbert Zongo. Norbert a été assassiné. On sait aujourd'hui que probablement Zola également, les historiens le disent. Norbert a été assassiné et brûlé. Zola a été probablement assassiné, enfumé chez lui, parce que sa cheminée, par la cheminée qu'on l'a on a assassiné. Norbert a connu l'affaire de sa vie. C'est l'affaire David Drago. Une affaire a priori banale dans le pays de on fait, si tu fais, on fait, et puis à rien. Un chauffeur, donc quoi de plus ordinaire, qui s'est fait assassiner sous les tortures au conseil de l'entente par des éléments de la garde présidentielle, comme nous disent maintenant les enquêtes. Et un journaliste apprend, il travaille à l'époque sur l'or détourné, il travaille sur plein de choses, il travaille sur la Constitution, il travaille sur tout ça, il décide que c'est l'affaire de sa vie. Enfin, il décide que c'est une affaire importante. Et il continue d'écrire, il tient une chronique régulière sur cette affaire pour dire que l'affaire David Drago est inadmissible. Et l'affaire de David Drago va lui créer tous les problèmes, va finir par l'emporter probablement. L'affaire David Drago a divisé notre pays. L'affaire David Drago est un moment majeur de notre histoire. De la même manière que l'a été, un siècle plus tôt, l'affaire Dreyfus, qui a été l'affaire de la vie de Émile Zola. L'affaire Dreyfus, vous la connaissez, je vous la fais court. Je vous la fais courte. Dreyfus est un officier français qui est accusé de façon injuste d'avoir donné de l'information, d'avoir espionné la France, son pays, au profit de l'Allemagne, la grande rivale de la France. Et il est condamné, il est déporté, une série de procès, mais en réalité c'est parce qu'il est juif. Donc c'est une accusation antisémite et le coupable de l'affaire est connu, mais on le met au frais. Enfin, c'est pas le bon mot de dire. On ne l'inquiète absolument pas. Et c'est Dreyfus qui porte la charge. Et Zola, du haut de son statut de grand romancier de la fin du siècle français, Zola refuse de laisser cette affaire se dérouler comme telle et prend parti et prend des risques, y compris jusqu'à écrire « J'accuse », qui a été diffusé en un seul jour à 300 000 exemplaires, pendant que le journal L'Aurore, qui l'a diffusé, était diffusé d'habitude à 30 000 exemplaires, et qui est donc mise en accusation, après la lettre « J'accuse » au président de la République, Félix Faure, français, précisément parce qu'il voulait cela pour qu'il y ait un procès, pour que la vérité vienne. Et il écrit plus tard « La vérité en marche ». Donc, vous voyez très bien cette grande proximité entre ces deux grands hommes. L'affaire David Drago, c'est notre affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est l'affaire David Drago des Français. Émile Zola,
c'est le Norbert Zongo des Français. Norbert Zongo, c'est le Émile Zola de Burkinabé. Donc c'est ça le projet Z au cube, qui fait le deuxième pendant de ces grands hommes de notre pays, de sorte que, comme nos ancêtres ne sont pas gaulois, comme nous ne sommes pas français, on fait 4 moins 1 français moins 1 gaulois, on va avoir 3 personnes. Je vous ai parlé des 3 grandes figures de notre histoire, de l'histoire du Burkina Faso. 1998, l'assassinat de Norbert en décembre 1998 change notre pays. Nous ne sommes plus le même pays depuis cette date. Je pense que c'est aussi important que l'insurrection de 2014. Pourquoi? Parce que, fort heureusement, cette affaire nous a appris que nous étions des Burkinabés réellement. Il y a eu un élan populaire inédit. Il y a eu la création d'un collectif d'organisations de masse, de partis politiques. Il y a eu une ville, je ne m'en souviens plus, du Burkina, qui avait 8000 habitants. Il y a eu 6000 personnes qui ont marché pour soutenir l'affaire, et pour rendre hommage à Norbert Zongo. Il y a eu un écho international inédit. Ça a changé le pays. Et je crois que ça a été le moment où a bourgeonné le citoyen burkinabé. Parce que nous ne le savons pas bien. Les années 80, les années 90, les années 90 étaient des années de plomb dans notre pays. On ne pouvait pas faire ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et c'est Norbert, pas seul bien sûr, mais il a eu la plus grande contribution à la formation de la conscience citoyenne burkinabé. Il a eu la plus grande formation à l'avancement de la liberté de la presse dans notre pays, plus que quiconque. Et ce n'est pas le téméraire Ladi Bama qui dirait le contraire, lui qui a comme idole Norbert Zongo. Ce n'est pas l'excellent Noufou Zougmouré de Mutation, je crois, qui dirait le contraire. Ce ne sont pas les Bourré Mawedraogo, les Idrissa Barry, les Serge Houlon, même les Nusson Amé Barry, tous ces gens qui ont contribué, qui contribuent encore au journalisme d'investigation, à la presse indépendante dans notre pays. Ce n'est pas eux qui diraient le contraire. Norbert a créé à renforcer la liberté de la presse. Et qui fait donc que nous vivons aussi sous son héritage aujourd'hui, si par moment nous sommes mieux classés que les pays européens sur la question de la liberté de la presse, suivant Reporters sans frontières, c'est aussi toujours l'héritage d'Norbert, même s'il est aussi renforcé par les luttes récentes, dont l'insurrection. Norbert a plus que quiconque dans notre pays, depuis 1990, a contribué de façon incommensurable à la constitution de l'opinion publique. Il s'en plaignait, tu disais, l'opinion publique n'existe pas. Qu'est-ce que l'opinion publique? C'est une institution qui n'existe pas quelque part dans un bâtiment où on a écrit « opinion publique Burkina ». Mais non, c'est une institution diffuse qu'il y a dans un pays et qui est le grand maître et qui dit « là, ça ne passera pas ». Monsieur Diallo Salif, paix à votre âme, vous avez distribué les tablettes à vos députés, vous avez dit « point barre », l'opinion publique vous dit « non, revenez ». Et il revient pour dire, vraiment, je suis désolé. C'est ça l'opinion publique. L'opinion publique, c'est cette force collective que nous avons qui indique les interdits dans un pays, de façon agissante. Norbert disait dans un de ses éditios, presse indépendante cherche opinion publique. Je crois aujourd'hui que ces jeunes frères, ces enfants, ces continuateurs sont très heureux d'avoir une opinion publique. En constitution, certes, qui a d'importants problèmes, mais une opinion publique qui existe plus qu'ailleurs, de par la contribution de Norbert Zongo. J'ai écrit, et je le crois sincèrement, que l'opinion publique burkinabé est une des plus belles choses qui nous arrivent et qu'elle a deux problèmes. Le premier, c'est celui de son information saine. Et le deuxième, c'est celui de la distribution de son indignation, en d'autres termes, comment elle choisit les sujets prioritaires par rapport aux sujets moins importants. Quand elle choisit, par exemple, de parler de la tablette des députés et qu'elle ne parle pas du bouclier qui a cédé du soldat qui a cédé à Aziz Istanbul, elle fait une distribution de l'indignation qui est une distribution inverse. Il faut qu'elle rétablisse cela pour que les choses se passent. Donc Norbert, c'est le bourgeon de la conscience citoyenne burkinabé. Norbert, c'est le journaliste avant l'heure. Ce jeune homme qui se levait à 4 heures du matin en classe de 6e, qui écoutait les radios sur ondes courtes, qui prenait des notes et qui faisait le journal manuscrit et qui estampillait ça sur
contre les troncs d'arbres de son lycée pour que ses jeunes camarades puissent lire. Norbert, c'est le journaliste d'investigation en classe de 4e qui enquête, qui prélève la farine du catouel, la farine de l'aide alimentaire, pas de l'aide alimentaire, la farine de la cantine scolaire, et qui l'envoie à Ouagadougou, au laboratoire d'analyse, et qui reçoit les résultats et qui montre que c'est périmé. En classe de 4e. On serait très heureux que certains journalistes soient en 4e, hein, actuellement. Hein. Norbert, comme il le dit lui-même, c'est le goût de la sueur. Norbert, c'est le sens de l'honneur. Et je rappelle une anecdote qu'il a racontée. Moi, j'ai eu le bonheur de l'écouter en conférence avec, comme mon ami Yacouba, comme certains d'entre nous qui avons eu le bonheur de le voir en conférence. Norbert a raconté une histoire très importante qui est que, et du reste, il y a une relation entre Norbert Zongo et Sankara. Sankara a tout fait pour que Norbert Zongo soit son ministre de l'information. Il a refusé, il a dit, je ne suis pas convaincu que tes amis, ça va bien se passer. Notamment un jour dans l'avion, et ça s'est malheureusement passé comme Norbert le craignait. Et Norbert Zongo et Sankara, dans les années 70, passaient les vacances, ont passé au moins des vacances à Korsimoro, qui est une petite ville du Burkina Faso. Et ils allaient chez un de leurs amis, qui était instituteur, si j'ai bonne mémoire. Et un jour, Norbert explique que pendant la famine de 73, quand il était là-bas, il a vu un mendiant qui était donc au poste de péage, on va dire, donc c'était ça s'appelle à l'époque, le poste de police, et qu'au poste de police, il mendiait, et puis quelqu'un a jeté un bout de pain sur le mendiant qui crevait la faim, la dalle vraiment, lui a jeté un bout de pain en lui disant, prends ça en étant insolent avec lui. Norbert nous dit que le mendiant est mort sans avoir touché le pain. C'est ça le sens de l'honneur, Norbert Zongo. Et Norbert Zongo, c'est ce gars qu'on a persécuté de partout. Interdit de s'inscrire dans les lycées du Burkina à partir de la Ségol, donc il passe le bac en candidat libre. Norbert Zongo se retrouve un jour au Togo, il écrit son journal, son livre Le Parachutage, il envoie ça à un éditeur sénégalais, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? L'éditeur lui envoie la réponse pour dire, je te suggère de ne pas publier ça, sinon tu vas avoir un problème avec le timonier national du Togo, et Adema. Et quand la lettre vient, comme on ouvrait le courrier, on reprend le courrier, et on répond, et on cherche Norbert. Et une des personnes qui va le chercher, la femme d'un des partisans du pouvoir, lui dit de s'éclipser, il se fait mettre dans un grand panier de tomates, où on met les tomates sur lui, et il s'échappe au Ghana. Et donc finalement, ça se termine en coup de poing, pour que quand on veut l'arrêter, bref, c'est tout ça Norbert Zongo. Je vous engage à lire son histoire, et il y a encore une histoire à écrire de Norbert Zongo. Il y a un gourmandier qui n'est pas mal, qui s'appelle Luc Damiba, qui est cinéaste aussi, mais pas seulement, qui a fait un film avec mon grand frère Abdoulaye Diallo, qui s'appelle Bouribana. Et c'est ce film qui a créé le festival de ciné droit libre. Et ce film est déjà une belle introduction. Les jeunes qui sont avec nous vont le voir avant la fin de l'Université de la Genèse. Donc, je viens de vous parler de trois grandes figures de notre pays. De l'homme de conscience historique, de l'intellectuel organique, de l'homme de la formule, mais aussi de l'homme d'action, le plus grand homme de notre siècle, Sankara, mais aussi de l'une de nos valeurs les plus sûres. Je lui ai rendu un hommage à Norbert dans un texte que vous pouvez trouver sur Internet qui s'appelle « Norbert est-il mort pour rien ?» C'est un texte que j'ai écrit, je pense, en 2009. Qui date, mais je pense que les trois quarts du texte sont encore, peuvent encore être lus comme ça. J'ai parlé de ces trois messieurs de façon probablement subjective, mais certainement objective, en tout cas en plusieurs points, parce que c'est les plus grandes de notre histoire, pour nous indiquer que le moment difficile que notre pays traverse, si on veut y faire face, ce sont de tels recours, ce sont de telles personnalités qui peuvent nous inspirer pour nous permettre de nous tirer d'affaire. Et tout à l'heure, j'ai fait une grosse sieste, et pendant la sieste, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, ça s'est passé au paradis. Et au paradis, il y avait Kizerbo et Sankara, ils sont restés les mêmes, hein. Peut-être même qu'ils ont rajeuni, en particulier Kizerbo, qui était là et qui expliquait aux habitants du paradis que leur pays d'origine, le Burkina Faso, est un pays exceptionnel, s'il vous plaît, quoi. C'est pas n'importe quel pays, c'est exceptionnel.
Kizerbo argumentait, Sankara ajoutait, Norbert Zoumou disait bien sûr, bien sûr. Et puis, Mandela a dit, mais j'ai appris que chez vous, il y a le terrorisme, mais comment ça se passe? Donc, comme pour dire, mais votre nation exceptionnelle, là, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Et Kizerbo dit, non, je vais vous en faire l'histoire. Donc, quand il commence pour parler l'histoire, Norbert dit, non, attends, papa, je vais répondre. Et Norbert Zoumou dit, en réalité, c'est la corruption. C'est la démission des élites burkinabées qui a créé ça. C'est le problème des intellectuels. Et Norbert Dongo dit la belle phrase de Goya que j'ai expliquée tout à l'heure. Je pensais que c'était qui a dit. C'est Norbert qui a dit le sommeil de la raison engendre des monstres. Quand ils ont dit qu'il y a le terrorisme, que c'est la corruption, Mandela a commencé à avoir peur. Pour dire donc que. Et Norbert a dit à un moment donné, mais en fait, c'est l'apartheid qui est en train de s'installer au Burkina Faso avec les conflits communautaires. Mandela a pris peur. Mandela a dit, donc, je vais avoir des gens là-bas qui vont faire 27 ans de prison aussi. Et Sankara a dit, non, n'ayez pas peur. Quand le peuple se met debout, le terrorisme trame. Il faut donc qu'on se lève, qu'on ne soit pas couché, parce que Nanlara en Sara. Et donc, à la fin du rêve, Kizerbo me dit, bon, Rassabouka, viens faire le rapport. Viens écrire le rapport, tu vas amener ça, tu vas donner ça tout de suite. Et j'ai dit, mais moi, je ne suis pas au paradis. Il dit, oui, bon, ok, je vais voir avec l'ange, et puis l'ange va te faire venir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis tout à fait prêt, mais dans 70 ans. Il faut dire à l'ange que je vais venir dans 70 ans. Il a dit, ok, on est très pressé de te voir pour que tu fasses le rapport. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord. Mais avant 70 ans, je n'aurai pas une bonne plume pour écrire le rapport qu'il faut. Donc j'ai dit, je ne suis surtout pas pressé. Merci beaucoup.